Bon, salut à tout le monde dans la parole, qui c'est Jésus-Christ, qui est venu faire chair parmi les hommes pour être capable de sauver tout le monde qui croit en lui. C'est pour lui toute gloire, l'honneur, puissance et louange depuis qu'il y a et pour tout temps. Amen. Y a un pile leader prédicateur qui toujours a dit, peuple Israël là, qui t'est gagné parmi toutes nations yo, t'est retourné dans le pays yo, qui c'est Israël en 1948. Est-ce que c'est la vérité selon parole bon Dieu? Salomon, qui t'est roi dans le pays Israël là, après David papa li, t'es tombé nan fè bagay ki pa te fè bon Dieu plaisir. Li t'es rentré nan pran fòm étranger ki t'es traîné li nan fè service pou zidol. C'est comme ça, après la mort Salomon, royaume peuple Israël la kite yon sel royaume, bon Dieu a vin divise li an de royaume. Peut-être péché Salomon te commet yo. Comme ça, nous venons gagner royaume nord qui te relé Israël, qui te gagne pour capitale li Samarie, royaume sud qui te relé Judée, li te gagne pour capitale Jérusalem. Mais, royaume nord te fait plus péché d'évanger bon Dieu que royaume sid là qui c'est Judée. C'est comme ça bon Dieu t'a retiré yo net devant Jélie en premier. Deux rois 17 verset 22 à 24 et Chronique 5 verset 26 Osée 8 verset 8 à 9. Deux rois 17, verset 22 à 24. Moun pays Israël yo pran fèt an kou Jéroboam. Yo donné la dan sans arrêter. Jéroboam sa, c'est lui-même qui tape dirigé royaume Noah qui te relé Israël là. Bout pou bout, c'est a wete yo net d'évangile. Jean li te voye serviteur yo pou fèt yo averti yo a. C'est comme ça, yo déporté moun pays Israël yo bien loin nan pays la Syrie côté yo ye jour journée jodi a. Roi pays la Syrie a pran moun la ville Babylone, moun la ville Kout, moun la ville Ava, moun la ville Abma ak moun la ville Sefavaim. Li voye yo al rete nan plas nan la vil peyi Samari nan plas moun Izrayel li te fe depote yo. Moun yo pran peyi Samaria pou yo yal rete nan tout la vil yo. Osée 8, verset 8 à 9. Izrayel est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Royaume Sidla, qui était relé Judée, t'arrêtait pour juste à la venue de Jésus-Christ. Les Jésus-Christ vin fait dans le royaume Sidla, li te fait une prophétie sous pays Judéa, spécialement Jérusalem, dans Matthieu 24. Jésus t'a prêt à prophétiser sous destruction Jérusalem
capitale pays Judéa. C'est comme ça, prophétie ça t'a bral accompli dans l'année 70 côté Romain yo te envahi pays Judée, détruit la villa, détruit le temple Jérusalem nan et puis touye en pile moun, gagné qui t'échapper, gen l'autre qui t'est allé en captif. C'est pas système esclavagiste là que moun peuple Israël qui pat mourio t'a pral gayer parmi toute nation Jean Jésus te dit ça dans prophétie li te fait dans Luc 21 verset 24 là. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés en captif parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, verset 24. Kounyea, moun qui dit peuple Israël là t'est retourné la Kaili en 1948 là m'a posé nous trois questions sa yo m'a prêté seulement sous pays Judéa royaume Sid là qui t'est détruit dans l'année 70 là. Première question m'a posé pas oublier Judée te détruit en l'année 70, de l'année 70 à 1948, ça baille environ 20 siècles. Première question m'a posé, hein? Si peuple Israël là qui était dispersé vers l'année 70, te retourné la caillou en 1948, c'est combien millions d'Israélites qui t'est retourné dans le pays dans l'espace 20 siècles? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Dans combien pays vous êtes sorti dans le monde là? Selon la prophétie qui t'est faite dans Jérémie 23, verset 3, 29, 14. Deutéronome 30, verset 3 à 4, yo tap gaye parmi toute nation. Nan combien pays Israélite yo te sorti pour yo te retourner la kayo en 1948 là? Et troisième question, hein? Moun ki tap vive sous territoire yo pendant période 20 siècles ça, qui côté yo te retiré yo al mette pour peuple Israël la te ka reprendre pays yo encore? Qui ça parole la montre nous? C'est bon Dieu qui te mette peuple Israël la d'ailleurs sous terre Israël la. C'est lui même qui pral ramasser yo mené yo tourner dans pays yo encore selon Esaïe 11 verset 10 à 12. On nous lit texte là pour entendre qui ça lui dit. Verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patmos et en Éthiopie, à Elam, à Sinéa et à Hamath et dans les îles de la mer. Il enlèvera une bannière pour les nations
il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Bon Dieu, te mette peuple Israël là dehors parce que yo tap fait péché. Eh bien, pour li mener yo retourner dans pays ya, qui ça l'a fait l'a retirer péché yo après pour li mener yo retourner dans pays yo encore. Ésaïe 59 verset 20, Romains 11 verset 26. C'est après li fin retirer péché yo l'a ramasser yo mener yo tourner dans pays yo. Les tires peuple Israël la tourné dans pays yo kounye a c'est comment yo bral vivre selon parole bon Dieu a. Jérémie 32 verset 37 à 42. Li écrit comme ça. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils ne craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. Car, ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Ézéchiel 34, verset 23 à 28. Mais ça lui dit. J'établirai sur elle un seul pasteur qui leur fera paître mon serviteur David. Il leur fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sûreté dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations.
Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Peuple Israël, là, les retourner la caillou, y a vive, y a en sécurité, pas gagné personne qui bral troubler yo, les yo retourner sous territoire yo. L'autre question n'a posé. Les peuples a retourné dans pays yo, c'est qui est qui pral royo? Est-ce que y a toujours rete de royaume nan, royaume nord, royaume sud? Ézéchiel 37 verset 21 à 28. Il écrit comme ça. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc, tu as dit ça déjà. Bon Dieu, te gaillé, c'est lui qui a ramassé. Je ferai de une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi qui ne formeront plus, ils ne formeront plus deux nations et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne s'essuieront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Verset 24. Mon serviteur David sera le roi. Qui est-ce qui va le roi, peuple Israël, là, l'air retourné? Parole là dit nous, mon serviteur David sera le roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et leurs enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je les placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Tout le monde qui dit Israël te retourné dans le pays en 1948 là. Mes amis, ça c'est faux. Ça c'est histoire religion qui pa gen anyen pou wè ak parol bon Dje ya ki se la verite ya. Paske parol la montre nou, se bon Dje ki te mette pep Israel la deyo sou te ya, se li menm ki brale ramase yo. E lè li ramase yo, pep la yap viv an sekirite.
qui est-ce qui bat le royaume? C'est serviteur David, qui c'est Jésus-Christ qui bat le royaume, qui bat le précieux pour toujours. Et bon Dieu, il bat établi demain li nan mitan pep sa pour toujours. Nous disons merci à tout le monde. Que mon Dieu la vie a béni. Nous espérons rencontrer dans l'autre vidéo. Bye bye. Ciao.